Nous avons dans cette paracha un grand secret. Le secret de la paracha est la façon dans laquelle on doit agir dans ce monde matière pour réussir à dépasser des caps. Nous avons des fois des missions impossibles, et je rigole pas du tout. La vie des fois nous impose des choses qui sont tout simplement impossibles à passer. Et comment on fait? Dans cette paracha, Moshe Rabbeinu va envoyer les meraglim, qui sont les espions, explorateurs, mais ce sont des espions. Et ces meraglim-là, qu'on veuille ou pas, avant il est écrit que la terre d'Israël était envoûtée. Tout était plein d'avodah zara. Tout. La question est, où tu les envoies? Dans quoi tu les envoies? Je vais faire une petite parenthèse et je vais vous raconter que dans la police, dans l'armée, dans les États, il y a aussi ce même problème. On envoie une personne espionner, d'accord? On l'envoie espionner quelque part. Et du coup, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? On dit que c'est un traître. Ça veut dire quoi un traître? Tu l'as mis dans un réseau impossible, la preuve que tu l'as envoyé en espion, sinon tu l'aurais envoyé en ambassadeur. Alors pourquoi tu l'as envoyé en espion? Toute la vie, il doit se cacher. Il doit changer son apparence, son nom, sa langue, tout. Et tout le temps, ce monsieur doit avoir peur que peut-être quelqu'un le dévoile. Dévoiler quoi? C'est toi qui sais que tu es un espion. Mais à part toi dans cette chambre, personne ne sait qui est un espion. Oui, mais il n'est pas tranquille. C'est quoi la tranquillité? C'est son problème à lui, vis-à-vis de lui, pas vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Vous comprenez ce que je dis? Si on est associé, par exemple. Les autres, quand il voit les autres, il a l'impression que les autres savent. Alors ça veut dire que on l'a mis dans une mission impossible. L'espion, c'est le soldat le plus cher au monde. Vous ne comprenez pas combien d'argent est investi tous les jours pour garder et protéger les espions. Mais un espion, à la fin, c'est quelqu'un qui tombe son identité. Alors maintenant, on va se poser une question. C'est dur, hein? Est-ce que l'espionnage est une mission possible ou impossible? Quelle réponse? Impossible. Impossible. Parce que si ton cœur est pour un certain drapeau, de toutes les couleurs des Nations Unies, et ton cerveau est contre un autre drapeau des Nations Unies, l'être humain est divisé en deux. D'un côté, on va l'appeler l'héros, de l'autre côté, on va le dire c'est un lâche. Pourquoi un lâche? Parce qu'il va nous trahir à nous. Et à la fin, les espions se sont créés un peuple. De quoi? De double espions, ça s'appelle. Il y a la corruption, quoi. Ce sont les doubles espions. Ils sont obligés de se protéger. Ils sont obligés de se protéger d'un drapeau et de l'autre drapeau. Quelle vie! Quelle vie affreuse! Et qu'est-ce qu'on fait pour passer de quoi? De rythme. Nous aussi, dans notre vie, nous avons des moments les mêmes. On va à la banque, on a besoin de 10 000 shekels. Quelles histoires qu'on raconte. Ouh, mon oncle, j'ai un oncle, j'ai une tante, j'ai truc, j'ai un travail, je gagne de l'argent. Et les 10 000 shekels, quand ils rentrent dans le compte, après 20 secondes, hop, ils disparaissent. Alors, où il est l'affaire que tu as dit que tu vas monter avec l'argent qui n'existe pas? Et tout ça, c'est de l'espionnage. C'est quoi l'espionnage? L'espionnage, c'est piv velibo et nam shavim. La vérité que tu as dans ton cœur et la vérité que tu as sur ta langue ne sont pas les mêmes vérités. Et les sages nous ont dit que le degré élevé d'un être humain, c'est qu'il dit ce qu'il ressent. Interdit, il s'écrit dans le Torah, l'ot et shaker, interdit de mentir. Donc, quand on est, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est un déroulement magnifique de la vie. Quand on est jeune, et on rentre dans certains systèmes, et on est obligé de raconter de certaines histoires,
pour réussir à faire une certaine mission. Et d'un côté on est excellent, d'un autre côté on est des menteurs. Cette vie moderne qui nous oblige, je vais vous donner une chose, je demande pardon de tout le monde avant de dire ça. Mais excusez-moi de le dire, mais Facebook, c'est face. La face. C'est la face du mensonge. Totalement. Vous savez pas combien de millions, de dizaines de millions de gens tous les jours se déguisent sur Facebook. Oui, oui. Ils racontent des histoires imaginaires et les gens les croient, les suivent. Et vous savez tout seul, je ne dois pas vous dire, ça a été publié dans la presse, qu'il y a eu des gens qui sont venus voir le mannequin ou la mannequin, et ils ont vu quelqu'un de très laid, et ils ont une déception. Le monsieur lui a monté la tête pendant un an, et l'amour folle, et tout là-bas est parfait. Facebook. Mensonge. Baruch HaShem, j'ai eu la chance d'être dans un grand carrefour. Dans un grand carrefour. Des Français, des Israéliens, des religieux, des non-religieux, des indigos, des non-indigos, des femmes, des hommes, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que, bon, Hachem, je ne pense pas que je suis sage, sauf que j'ai l'écoute. J'entends les histoires des deux côtés. Et pour faire shalom, pour qu'on ait la paix, on est obligé d'entendre les deux côtés. L'être humain aussi a deux côtés. Il y a le côté émotionnel et le côté logique. On a le côté droit du cerveau qui est spirituel, le côté gauche du cerveau qui est logique. On a le côté gauche du cœur qui est un démon. On a tous un démon dans le cœur. On a le côté droit du cœur qui est un grand sadique, un homme pieux, un homme ou pas. Donc, il faut écouter, être à l'écoute des gens. Et quand on est à l'écoute des gens, on peut comprendre. Je ne pense pas que vous pensez que si un espion russe, et on l'a attrapé en Israël, devient le chef de l'aviation dans l'armée, je ne pense pas que vous allez tous être très contents. Mais en Russie, il a bien réussi sa mission. Il est arrivé, il est devenu le chef de l'aviation en Israël. Les Russes sont contents ou pas? Et nous? Non. Pas tellement. Mais quand c'est à l'envers, quand un Israélien est réussi à devenir le chef d'état-major russe, et ils sont contents? Non. Et nous? Oui. Très contents. Donc vous voyez qu'il faut être à l'écoute. Des deux côtés. Des deux côtés. Et c'est ce qui nous enseigne la Torah. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, envoie des espions. La Torah, c'est la vérité. Et une des vérités est que quand un peuple veut conquérir un autre, eh ben c'est guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la guerre. On envoie des espions. On fait tout ce qu'il faut pour la guerre, marrant ou pas? Mais il faut comprendre. On est en état de guerre. Question. Si je donne à quelqu'un qui se sent bien un médicament contre la douleur, Percocet, je lui donne une dose, on a le droit de 10 mg, je lui en donne 30. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se sentir mal. Malade. Il va s'évanouir. Bien sûr. Mais si quelqu'un il a une douleur qui va s'évanouir, je lui donne Percocet, qu'est-ce qui va se passer? Ça va le soulager. Ah. Le même cachet. Ça va agir des deux façons. Peut agir sur un d'une façon, sur l'autre d'une autre. Aujourd'hui, c'est la leçon d'aujourd'hui. Comment, Akadosh Baruch Hu, dit à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre les gens les meilleurs du peuple et tu vas les envoyer dans quoi? Vous dites en français, j'aime pas dire le premier mot, mais du loup. Tout, tout, tout. Du loup. Et après, tu veux qu'ils viennent avec des anges, avec des ailes. Ils vont se voler dans l'air. C'est ça ce que tu veux? Ils ont vu là-bas, écoutez, le plus petit avait 6 mètres de hauteur. C'est sympa, non, de voir des gens à la hauteur de 2 étages. Quand Goliath est venu faire la guerre avec David, tout le peuple d'Israël était à plat. Tout le peuple d'Israël, tout le monde, Sanhedrin, Shaul HaMelech, tous par terre. Goliath seulement,
Eux, ils ont été 12 voir les géants. Vous savez c'est quoi les géants? Goliath, c'était le petit des géants. Mais qui les a envoyés? Est-ce qu'on a besoin de ça? On était dans le désert tranquille. Allez, on fait notre tour. C'est Moshe Rabbeinu qui a envoyé des Meraglim. Pourquoi? Il leur a dit, est-ce que la terre est belle? Ils ont menti. Ils ont dit c'est non. Pas qu'ils ont menti. Il leur a dit les deux côtés. Dites-moi, est-ce qu'elle est belle ou mauvaise? Est-ce qu'il y a des fruits ou il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a ça ou il n'y a pas ça? Il leur a donné les deux côtés. Alors est-ce que c'est un livre arbitre? Ça, c'est la question. Si ça serait un libre arbitre, alors pourquoi Moshe Rabbeinu ajoute à Yoshua un Yud? Si tu es avec tout le monde, la même chose, eh bien tu appelles tous, tu leur ajoutes tous le Yud magique, et c'est fini. Non, il a ajouté seulement à son serviteur. Et la Torah dit, pourquoi? Pour le sauver. Mais quand est-ce que tu me dis ça? Avant qu'il les a envoyés. C'est pas qu'il a dit, je les envoie, et je vais lui envoyer un Yud avec une flèche. Non, avant qu'il parte, Vaishlach. Et les chemins à Anashim Asher Shalach Moshe, la tour est arrêtée. Va écrire à l'Eroshéa Yehoshua. Il lui a ajouté un Yud. Avant, va Ishlach Ota Moshe, la tour est arrêtée. C'est ça la différence, la tour et la gourde. La tour et les ragel. C'est pas la même chose. Knan va mer à l'ouze banege, va l'item et ta'ar, et vous allez prendre ce chemin-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un grand secret qui s'appelle le Yud. Le Yud, d'après un livre qui s'appelle Sefer Yetzirah, qui est le livre de Avraham Avinu, que je rappelle beaucoup, beaucoup de fois, parce que c'est un livre essentiel dans l'étude de la Kabbalah. Comme ça dit le Ari HaKadosh, il dit que sans l'étude de ce livre-là, on n'a pas vraiment accès. Et le début de ce livre, le premier chapitre, le premier paragraphe, là-bas il est écrit comme ça. Yud, c'est le début des lumières, le début des lettres, et le début de l'être. Les lettres et être, c'est beau, hein? De l'être. Il y a les lettres et l'être. Avec le Yud, on écrit toutes les lettres, mm-hmm. Et avec le Yud, on peut déchiffrer l'être humain. Pourquoi? Le Ari HaKadosh nous explique. Il dit, sachez que dans le cœur de tout le monde, il y a le côté droit et le côté gauche. Le côté gauche est le premier côté qu'on est soufflé de vie. Souffle de vie. Comment il s'appelle, vous savez? Démon. Shin Dalet. Démon. C'est pour ça qu'on a le Yetzer Hara, le mauvais penchant, pendant 13 ans ou 12 ans chez la fille. On a seulement le mauvais penchant. Après, à l'âge de 12 ans ou 13 ans, se rajoute le bon penchant. Ça veut dire que toute notre jeunesse, on a le mauvais penchant. Oui. C'est incroyable. C'est pas incroyable, c'est la nature. Et ceux qui gardent après les 12 ans et 13 ans, qui gardent aussi le mauvais penchant. Je vais vous expliquer, on garde tous le mauvais penchant jusqu'à la fin de notre vie. Pourquoi? Parce que le dernier souffle est le premier souffle. Ah, d'accord. On n'aurait pas pu vivre dans ce monde extérieur du ventre de notre maman sans le souffle, sans l'air, non? Donc tant qu'on a de l'air, on a le mauvais penchant. Mais l'air en hébreu, ça s'appelle avir. Et avir, c'est les lettres qui sont avant recherche. Vous vous rappelez que je vous ai dit? Il y a l'obscurité, les lettres avant l'obscurité, c'est avir aussi. Et l'être humain, comme ça nous enseigne la Torah de la Kabbalah, le Sefer Tikkuné HaZohar, il dit, le mot avir, c'est lumière, yud. Or, lumière, yud, le yud. Et cette lettre-là de yud, vous savez comment elle s'appelle? Le point. C'est un point. Quel point? Dans la lettre de Bereshit, le début de tout, il y a un B, bête en hébreu. Il y a un petit point, là-bas. Ce petit point, c'est le début de tout. Pourquoi? Parce que tout débute par un point et tout se finit par un point. Donc on a tous le mauvais penchant à gauche et le bon penchant
à droite. La question est, comment on peut s'améliorer dans la vie? On veut être mieux. On ne veut pas être avec le mauvais penchant qui est beaucoup plus fort, et beaucoup plus âgé, et beaucoup plus puissant. Et on sait qu'est-ce qu'il fait faire les gens. Donc, quel est le remède? Il y a malheureusement des religions entières dans le monde. Je ne parle pas religion seulement ceux qui croient en Dieu, mais ceux qui croient en statue, en tout ce que vous voulez, qui disent aux gens, tu es mauvais, et le but de ta vie, c'est tuer le mal en toi. C'est aussi des psychologies, thérapies, psychothérapies, ce que vous voulez. Est-ce que je peux tuer le mal en moi? Si je le stoppe, je finis de vivre. On peut l'adoucir. Maintenant, le Ari Akadosh j'explique. Etzraim Sharanou. Il explique. Il dit que regarde, l'être humain a été créé de telle et telle et telle façon. Et la seule façon d'adoucir l'être humain, de lui permettre d'être au-delà de ses mesures, est rajouter le Yud. Écoutez bien ce secret. Et où on le trouve? Écrit dans la paracha. Pourquoi? Parce que le démon en hébreu c'est Shin Dalet. Et le nom sacré qu'on met sur la mezouza qui garde les portes d'Israël, ou toutes les portes, ça s'appelle Shin Dalet Yud, Shomer Daltot Israël. C'est une protection. Donc, est-ce que le mal, on doit le tuer? Non. Ceux qui essayent de tuer le mal, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ça devient les gens les plus affreux qu'il y a sur. Te dit tu n'as pas le droit de ça et tu n'as pas le droit de ça et tu évites ça et tu fais, et ça devient des religions de quoi? De moines. Interdit. Ils te mettent tellement l'interdit qu'à la fin ils te permettent des choses qui sont complètement tordues. Aujourd'hui dans la paracha il y a une solution. Vous savez comment elle s'appelle? Yud. Le Yud, il a quatre formes de vie. C'est le début de tout, c'est la fin de tout. Il existe dans tout et il est transparent dans tout. Il se manifeste pas. C'est le début et c'est la fin. Donc il est dans tout ce qu'on appelle espace. Mais le Yud s'appelle Yud Chochma Keduma. Le Yud appartient au quoi? C'est Golta, vous vous rappelez? Oui. Les trois points élevés. Les gens indigo, ce sont des gens qui peuvent avoir plusieurs personnalités des fois. Parce qu'ils essayent de contenter les gens qui sont autour d'eux. Et c'est pour ça que quand ils sont enfants, des fois ils sont terribles à l'école et des anges à la maison. Et des fois ce sont terribles à la maison et des anges à l'école. Et on ne comprend pas, c'est quoi cette double personnalité? Comment ils font? Comment à un moment ils te regardent à toi? Il y a un sourire d'un ange, et il tourne la tête, il y a un regard d'un monstre. Comment ils font? C'est parce que ils ne sont pas connectés, exactement. Leur démon est puissant, et leur ange est puissant. Mais ils n'arrivent pas à faire quoi? Ce qu'on fait, nous, la plupart des gens, on est dans le milieu. On est un peu dans le mal, un peu dans le bien. C'est bien, ça va. C'est des moments... Mais eux... Ce sont des caractères entiers. C'est dangereux. Ça n'a pas un rapport avec la schizophrénie. À la fin, de beaucoup de maladies psychologiques, c'est que les gens ont des problèmes, ils entendent des voix, ils voient des... Mais ça, les gens qui veulent approfondir dans ça, il faut venir à l'école, parce que j'enseigne les sens, et les sens, ce ne sont pas ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est ce qu'on perçoit de ce qu'on a vu, ce qu'on perçoit de ce qu'on a entendu, ce qu'on perçoit de ce qu'on a senti, goûté et touché. C'est pareil que les bipolaires aussi. Bipolaires, c'est beaucoup de gens qui sont au début indigo, ouais, deviennent après bipolaires parce que ils arrivent pas, on les a pas connectés au Yud. C'est quoi bipolaire? Mais comment on peut les connecter? Bipolaire, c'est manière d'être aussi. Comment on peut les connecter au Yud? Oh. Maintenant, le Yud, il est encore une fois dans la paracha. Il est écrit ici, Ve'ata Igdal Nakoach Hashem, Kasher Dibarta Lemo. Maintenant, on va agrandir la force
Comment on va multiplier la force de façon miraculeuse, qui n'est pas tellement miraculeuse, avec quoi? Avec les 13 attributs de miséricorde. Le plus grand secret des plus grands secrets qui a été dévoilé dans la Torah est l'accès au monde qui s'appelle Yetzira, Yud. Le monde de l'Asiya, Ain, c'est Ra. Tout ce qui est démon est dans quoi? Dans le monde qui est le monde de l'action. Tout ce qui est Yud est dans le monde de Yetzira. Écrit noir sur blanc. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens qui ont des personnalités tellement complexes, qui peuvent être à la fois ton ami et à la fois ton ennemi? Ces gens-là, c'est pas de la rigolade. Hein. Vous savez, c'est quoi de vivre un moment, je suis comme ça, un moment, je suis un autre, juste pour vous angoisser un peu, pour vous mettre un peu la tension. Les gens qui trompent. Les gens qui trompent leur femme. Les maris ou les femmes qui trompent leur femme. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Un moment, ils sont les deux dans la porte. Qu'est-ce qu'elle fait? Ou celle-là ou celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Rentre dans la chambre, tac, et hop, elle lui va rentrer dans la... Action. Ça, c'est action, ça. Pour vivre ça, quelle personnalité tu dois avoir? Mais nous, au lieu de juger ces personnalités, parce que ce sont des gens très spéciaux, il faut apaiser les gens. Les juger, c'est trop facile. Tu es comme ça, tu es comme ça. Et toi aussi, tu es comme ça. Alors, on peut juger tout le monde. Apaise-les. Donneur de l'amour. La Torah nous dévoile. Tu sais comment tu vas lui mettre le yud pour que son démon qui est tellement violent devienne un ange. Tu vas lui mettre les 13 attributs de miséricorde. Seulement avec l'amour que Moshe a eu pour Yoshua. Parce que imaginez-vous que Moshe n'aurait pas ajouté le yud à Yoshua. Qu'est-ce qui serait passé avec Yoshua? Il serait devenu un des Meraglim. Ouais. Donc il n'aurait pas pu faire entrer le peuple d'Israël en Eretz Israël, puisqu'il serait devenu un des gens qui a été condamné à mort. Alors Moshe, comment il aurait fait? C'est son propre serviteur, ça veut dire que c'est son miroir. Moshe Rabbeinu, que lui a rencontré les cieux, a compris, c'est comme Yosef Hatzadik. Ce sont les mêmes Neshamot. Il a compris que celui qui est tellement puissant, si tu ne vas pas lui rajouter le Yud Chochma Keduma, la sagesse des cieux, il peut faire des révolutions dans le monde. Ce sont des gens tellement puissants que rien ne les arrête. Pourquoi? Parce qu'ils ont la force du démon en eux. Le Ron, il se rend tout. Tac! Un moment, c'était ton ami. Tchouac! Une fraction de seconde, ça devient ton ennemi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? C'est de la folie. C'est effrayant. Ah ouais. C'est effrayant pour qui? Pour les gens qui sont dans la mesure normale. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas parler avec moi? Il n'y a pas de problème. Shalom, shalom. Ça va? Ah, pourquoi tu te rends tout? Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'essayer de comprendre leurs complications, qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'ils travaillent avec un cerveau qui n'est pas le nôtre. Il faut leur mettre le Yud. Sa pensée, Yud Chochma Keduma. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Lui, il s'en fout. Pourquoi il s'en fout? Parce que les 7 attributs du physique, ils ne font rien du tout. Mais parle-lui avec l'amour. Hoppa. Tu l'as atteint. Tac. Et maintenant, ça peut être l'être le meilleur du monde. Pourquoi? Parce que tu l'as rajouté le Echad. Vous savez c'est quoi Echad? Echad c'est Ahava, amour. C'est quoi le Echad? C'est cette petite goutte d'union. Tu lui as dit je t'aime, tu as tout résolu. Qu'est-ce qu'a fait mon cher Abénon? Il dit Yoshua, je t'aime. T'es content de moi? Oui. Tac, connexion. Et ces enfants-là, Indigo, on leur dit je t'aime, je suis content de toi. Paf! Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Tout ce que vous voulez hors limite. Mais sauf avec l'amour. Tu vas te coincer avec eux,
Tu veux rentrer avec eux dans des histoires, ben tu peux commencer à essayer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Chaval al azman. On perd plein d'énergie pour rien. On essaye de les tuer, impossible. Tu le tues ici, il repart là-bas. Tu le tues là-bas, il va réparer. Qu'est-ce que tu vas faire? Même lui, le pauvre, il ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Parce qu'il ne connaît pas sa nature. On est né dans le degré des cieux. Mais c'est vrai qu'on vit dans quoi? Dans le degré matière. Et c'est pour ça qu'on est obligé de se comprendre. Et comprendre quoi? Le mode d'emploi. Et aujourd'hui, Baruch HaShem, qui a Internet sur le monde, et les gens ont l'accès, ont accès au savoir. Tu vois un enfant qui a des comportements un peu hors limite, va voir, peut-être, il correspond à des enfants indigo. S'il correspond à un enfant indigo, eh ben, comporte-toi avec lui. Comment? C'est écrit. Avec de l'amour. L'amour. C'est des enfants qui travaillent seulement avec une chose. Tu l'aimes, tu l'as. Tu l'aimes pas, c'est ton ennemi. De l'amour. Si tu n'es pas avec l'amour avec lui, c'est ton ennemi. Il peut t'ignorer. Vous connaissez les gens qui t'ignorent, mais complètement. Tu n'existes pas. Tu te dis, c'est pas possible. C'est indigo. Parce que les gens normaux ne peuvent pas ignorer comme ça. Leur sens demande d'être en lien. Il y a des gens, ils coupent avec toi, c'est fini. C'est fini à vie. Tu te dis, c'est pas possible. On est cousins. Quoi? Et alors, on a eu un problème. Non, 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 non. T'as pas eu un problème. Tu disparais. Tu n'existes plus. C'est fini. C'est qui souffre? Pas Indigo. Indigo, il a un monde d'emploi qui peut faire ça. C'est pour ça qu'il peut être un espion. Et c'est pour ça que les grands espions, hein, c'était toujours, toutes les générations, des gens Indigo. Des gens qui pouvaient être au-delà de la matière. La seule façon de les rapprocher, je t'aime. J'ai rien, je te juge pas, je t'aime. Et Baruch HaShem, combien d'enfants comme ça, on a la chance qu'ils viennent vers nous. Je les appelle les enfants parce qu'ils n'ont pas d'âge. 50 ans, 70 ans, 20 ans, 2 ans. Aujourd'hui, il y a un bébé 15 mois, les mêmes. Les mêmes. Aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que la Torah a dit, « Va'ata yigdalna koach HaShem ». Comment? Si tu vas l'aimer, tu vas le gagner. Si tu vas, chas v'shalom, tourner ta face, c'est pas seulement que tu vas le perdre. Il peut devenir ton ennemi. Très dangereux. Ah, mais des fois, c'est difficile parce que ça demande des années. Il faut que la personne, elle tienne. Parce que ça demande des années, des fois. Rabbani, ça demande combien de temps d'être en couple? Ça demande combien de temps de devenir ingénieur? Ça demande du temps. Alors pourquoi pour eux on n'a pas ce temps-là, mais pour sa carrière on a ce temps-là? Ah. La personne craque. Elle n'est pas rentrée dans le bon circuit. Baruch Adonai l'Olam, amen. הוא אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.